Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, most merciful. Altesse, Your Highnesses, Excellencies, Mesdames et Messieurs, Honorable Ladies and Gentlemen, il m'est agréable tout d'abord d'exprimer à mon nom personnel et celui de l'Organisation de la Coopération Islamique mes sincères remerciements et ma gratitude au gouvernement et au peuple de la République islamique du Pakistan pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et pour la sérieuse coopération de la soigneuse coordination que nous avons constatée dans la préparation de cette 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OSCE. Tout en félicitant la République islamique du Pakistan pour sa présidence de cette importante session, je tiens à vous témoigner ma reconnaissance pour son engagement résolu en faveur de l'Organisation de la coopération islamique et pour ses rapports précieux dans le renforcement de l'action islamique commune, ce qui ne manquera pas de garantir le succès de la présente session. C'est pour nous un réel motif de satisfaction de voir cette 48e session coïncider avec la célébration du 75e anniversaire de l'indépendance de la République islamique du Pakistan. Tout en lui adressant nos meilleurs vœux, nous partageons ces célébrations et la félicitons pour les réalisations de son peuple et pour les défis remportés à la faveur d'une forte volonté et d'une détermination sans faille. Nous lui souhaitons progrès et prospérité continue. Je voudrais également saluer la République du Niger pour les efforts ô combien louables déployés tout au long de son mandat à la présidence de la 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, dans une conjoncture difficile marquée par la pandémie de la COVID-19, un mandat couronné d'un franc succès et qui a donné un nouvel élan à l'action islamique commune. Je ne saurais omettre en cette circonstance de rendre un vibrant hommage au Royaume d'Arabie Saoudite, pays du siège et président de la 14e conférence islamique au sommet, pour son soutien permanent aux activités de l'organisation et au travail du secrétariat général sous la généreuse sollicitude du serviteur de 200 mosquées du roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud et de son Altesse royale le prince Mohammed bin Salman, son prince héritier et vice-premier ministre, puisse Allah les préserver. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de vous retirer ainsi qu'à vos gouvernements mes remerciements et ma gratitude pour le soutien que vous m'avez apporté en assumant les fonctions du secrétaire général de notre prestigieuse organisation et de vous rassurer de mon engagement résolu à œuvrer dans le respect des dispositions de la charte de notre organisation, à défendre les causes de la Oumma islamique et à me conformer aux décisions des résolutions adoptées par le sommet islamique et le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais souhaiter la bienvenue aux distingués représentants des États de l'Organisation internationale et régionale, partenaires de l'Organisation de coopération islamique. Leur présence témoigne de l'intérêt qu'ils acceptent au rôle de notre organisation dans la contribution à la paix, à la sécurité et au développement dans le monde. L'OCI se félicite du dialogue et des liens de coopération qu'elle entretient avec eux. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre présente session se tient sous le thème des partenariats pour l'unité, la justice et le développement. Un thème qui vient à point nommé refléter les aspirations de nos populations et leurs attentes vis-à-vis de l'Organisation de coopération islamique en cette conjoncture délicate dans laquelle la Oumma islamique se trouve confrontée à moult défis politiques, sécuritaires et de développement. Aujourd'hui, la cause palestinienne, question centrale pour l'organisation, continue de se heurter à des défis dangereux, dont tout particulièrement la persistance des politiques d'occupation israélienne fondées sur la colonisation, la judaïsation de la ville de Al-Quds
et l'agression contre les lieux sacrés, en particulier la mosquée de l'Aqsa, outre la poursuite de meurtres, de confiscation des terres, de la démolition des maisons, des arrestations arbitraires, de la discrimination raciale, de l'apartheid et du nettoyage ethnique à l'encontre du peuple palestinien, qui constituent dans leur ensemble une violation flagrante des législations, conventions et résolutions internationales pertinentes. Aussi, la persistance de tels crimes et agressions israéliens contre le peuple palestinien, sa terre et ses lieux saints, nous commande-t-elle de renforcer l'esprit de solidarité et d'action islamique commune et de redoubler davantage l'effort diplomatique auprès des instances internationales en faveur des droits du peuple palestinien et de contrer avec fermeté la responsabilité toute tentative visant à changer le statut historique et juridique de la ville d'Al-Quds en application des résolutions pertinentes adoptées par le sommet islamique et les conseils ministériels successifs. La question du Jammu et Cachemire est une autre question juste qui attend une solution depuis longtemps et qui nous préoccupe profondément au vu des développements qu'elle connaît, particulièrement à la suite des actions illégales et unilatérales entreprises par l'Inde le 5 août 2019 visant à modifier le statut du Jammu et Cachemire occupés par l'Inde. Au mois de novembre dernier, une délégation de haut niveau du secrétariat général de l'OCI, conduite par le secrétaire général adjoint aux affaires politiques, représentant spécial pour le Jammu et Cachemire, avec la participation du secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, culturelles et sociales, a effectué une visite officielle au Pakistan et à Azad Jammu et Cachemire dans le cadre de la mise en œuvre du mandat confié au secrétariat général en vertu de la résolution 1047-POL sur les différends de Jammu et Cachemire adoptée par le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Le rapport de cette mission est soumis à votre attention. L'OCI est ainsi appelé à redoubler d'efforts en vue de soutenir le droit des peuples du Jammu et Cachemire, y compris son droit à l'autodétermination, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les développements de cette question seront examinés par le groupe de contact sur Jammu et Cachemire, qui se réunira ici à Islamabad en marge de nos présences assises. En ce qui concerne l'Afghanistan, j'ai suivi tous les aspects liés et la mise en œuvre des résolutions issues de la 17e session ministérielle extraordinaire tenue à Islamabad le 19 décembre 2021. À cet égard, j'ai assuré avec mon envoyé spécial pour l'Afghanistan la coordination nécessaire avec la Banque islamique de développement qui a gracieusement préparé le cadre juridique et la structure du fonds judiciaire décidée par le Conseil ministériel. Le fonds sera officiellement lancé en marge de cette réunion. D'autre part, j'ai dépêché mon envoyé spécial en Afghanistan. Il a eu des entretiens élargis avec un certain nombre de ministres du gouvernement en place à Kaboul concernant les efforts de l'organisation dans les domaines humanitaires, politiques et économiques. Je soumets à votre attention un rapport spécial sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la résolution sur la situation humanitaire en Afghanistan et sur les aspects liés à cette première visite. Je continuerai donc à dialoguer avec les autorités en place en Afghanistan. Dans ce pays membre de l'organisation. Pour ce qui est de l'agression de la République de l'Arménie contre la République d'Azerbaïdjan, et bien que d'autres triparties conclues entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Fédération de Russie le 10 novembre 2020 aient mis fin aux hostilités, la République d'Azerbaïdjan a exprimé sa préoccupation face au non-respect pour la République d'Arménie
par la République d'Arménie et ses obligations telles que stipulées dans l'accord tripartite. Le secrétariat général, qui a constamment confirmé le soutien de l'organisation au règlement du conflit conformément aux décisions et résolutions du Conseil islamique, du Conseil des ministres et du Conseil de sécurité des Nations Unies, continuera de suivre cette question avec intérêt. Altesse, Excellence, Mesdames et Messieurs, la situation au Yémen reste une source de profonde préoccupation pour notre organisation, qui s'est engagée à soutenir l'unité, la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Yémen, ainsi que la solution politique au conflit sur la base de trois référentiels, à savoir l'initiative du Conseil de coopération des États arabes du Golfe et ses mécanismes exécutifs, les conclusions de la conférence de dialogue national yéménite et les résolutions de la légalité internationale, en particulier la résolution 2216-2015 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est dans ce même ordre d'idées que le secrétariat général de l'OCI salue l'idée que le secrétariat général de l'OCI salue l'initiative annoncée par le Conseil des ministres des États arabes du Golfe d'organiser des consultations yéméno-yéménites dans la capitale saoudienne, à Riyad, à la fin de ce mois. Initiative qui permettra de combler le fossé entre les frères yéménites et de s'engager pour arrêter l'effusion du sang, afin de parvenir à une solution politique durable mettant un terme au conflit au Yémen et asseoir la sécurité et la stabilité dans la région. Dans ce contexte, nous renouvelons l'expression de notre gratitude au Royaume d'Arabie Saoudite pour ses efforts et initiatives inlassables destinées à contribuer à accélérer la recherche d'une solution pacifique et permanente à la crise yéménite. Je tiens également à rassurer le Royaume d'Arabie Saoudite et l'État des Émirats arabes unis de la solidarité de notre organisation face aux attaques répétées et condamnables lancées par la ministre Houthi contre des civils et des installations à caractère civil par des drones. Au cours de sa période écoulée, les développements en Libye, au Soudan et en Somalie ont fait l'objet d'un suivi continu par le secrétariat général, lequel a encouragé toutes les parties concernées à adopter le dialogue. Aujourd'hui, nous les encourageons à redoubler d'efforts pour surmonter les divergences et jeter les bases de l'entente de la sécurité, de la paix et de la stabilité du développement et à faire prévaloir l'intérêt supérieur de leur peuple. En ce qui concerne la Syrie, le secrétariat général continue de soutenir les efforts des Nations Unies pour parvenir à une solution pacifique à la crise, conformément à la déclaration de Genève et aux résolutions permanentes du Conseil de sécurité. S'agissant de l'Irak, la tenue en octobre 2021 d'élections législatives anticipées représente l'un des développements positifs et encourageants que nous avons enregistrés et salués. Comme vous le savez, les défis politiques, sécuritaires, humanitaires et de développement auxquels font face les pays du Sahel central, Burkina Faso, Mali et Niger et du bassin du lac Tchad, Cameroun, Tchad, Niger et Nigeria, ainsi que la République centrafricaine, le Mozambique et la Guinée revêtent un intérêt important pour l'OCI. Nous soulignons la nécessité d'accroître les efforts pour parvenir à la paix et à la stabilité escomptée dans ces régions et appeler les États membres et les institutions de l'OCI ainsi que les partenaires internationaux à aider ces régions à relever les défis auxquels elles font face. C'est dans ce cadre, afin de donner un nouvel élan au rôle de notre organisation en Afrique, y compris dans la région du Sahel et du lac Tchad, que je me suis rendu au début du mois courant au Tchad, au Cameroun, au Niger et au Sénégal. Et j'ai pu m'entretenir avec les dirigeants de ces pays à propos de la situation dans ces régions et des voies et moyens de renforcer le soutien de l'organisation aux pays concernés. D'autre part, une délégation de haut niveau du secrétariat général
conduite par le secrétaire adjoint aux affaires politiques, le Dr Azoubaï, s'est rendu à Abuja pour s'entretenir avec les responsables de la commission de la CEDEAO des voies et moyens de renforcer la coopération et la coordination des efforts pour contribuer à la paix, à la sécurité et au développement dans la région. Le renforcement du rôle positif de notre organisation en Afrique requiert aussi la nomination d'un envoyé spécial. À cet effet, je recommande à votre auguste conseil de nommer le docteur Nassirou Bako Arifari, ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin, comme l'envoyé spécial du secrétaire général pour l'Afrique, et j'espère qu'il bénéficiera de votre soutien. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, la République de Bosnie vit une situation préoccupante en raison de la tendance séparatiste de certains partis de la composante serbe et de leur rejet des réformes qui requièrent l'appui de l'OCI à la République de Bosnie-Herzégovine pour l'aider à préserver son unité, son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa stabilité et sa prospérité. Notre organisation exprime également son plein appui aux efforts en faveur d'un règlement global et juste de la question chypriote et sa solidarité avec les Chypriotes turcs musulmans, conformément aux résolutions pertinentes de l'OCI. Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs, le bien-être et la défense des droits des communautés et minorités musulmanes dans les États non membres, conformément aux principes et aux objectifs consignés dans la charte de l'organisation, sont également une priorité dans l'action de notre organisation. Nous comptons accroître nos efforts à cette fin, notamment à travers les visites et les dialogues avec les gouvernants des pays concernés. Dans ce contexte, nous exprimons notre profonde préoccupation face à la situation des Rohingyas et appelons la communauté internationale à agir de manière efficace et de toute urgence pour assurer les conditions propices au retour volontaire sûr, digne et durable de tous les réfugiés et déplacés internes Rohingyas dans leur patrie d'origine. Nous nous réjouissons des progrès enregistrés dans l'affaire judiciaire déposée contre les Myanmar près la Cour internationale de justice, dont notamment la récente reprise d'audience en vue d'obtenir justice et reddition des comptes pour les Rohingyas et mettre fin immédiatement à toutes les formes de violence à leur encontre. Je voudrais à cet égard rendre hommage à la Gambie, à la République de Gambie, pour les rôles de premier plan qu'elle joue, ainsi qu'aux États membres qui ont contribué au financement de l'affaire. La réunion aujourd'hui du comité ministériel ad hoc de l'OCI sur la reddition des comptes pour les violations des droits humains à l'égard de Rohingyas permettra de faire le point de la situation et de coordonner les efforts à cet égard. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, selon les rapports officiels de l'Observatoire de l'islamophobie de l'OCI, la réputation des communautés musulmanes dans de nombreux pays est sujette à la diffamation, au moment où s'accentue la haine envers les musulmans, en raison notamment de la montée des idéologies extrême droite. Tous les États, y compris les États islamiques, se doivent de faire face à la recrudescence d'une telle tendance négative et de prendre de nouvelles mesures pour éviter les pratiques discriminatoires, racistes et xénophobes dans les diverses franges de la société, et partant asseoir les piliers de la paix et de la sécurité. À cet égard, nous comptons sur l'appui des États membres aux efforts déployés par le secrétariat général en faveur de la lutte contre l'islamophobie. D'autre part, nous devons collaborer avec tous les membres de la communauté internationale pour lutter contre ces phénomènes. C'est avec satisfaction que nous avons accueilli l'adoption le 15 mars par l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution désignant le 15 mars de chaque année comme journée internationale de lutte contre l'islamophobie. Nous formulons l'espoir qu'elle contribuera à favoriser un dialogue à l'échelle mondiale d'une culture de tolérance et de paix.
La lutte contre le terrorisme est également une priorité absolue pour notre organisation. Pour y faire face, le secrétariat général met en œuvre une stratégie multidimensionnelle sur la base du mandat juridique de la Convention de l'OCI sur la lutte contre le terrorisme, parmi les questions auxquelles le secrétaire général accorde une attention particulière, je voudrais mentionner la contribution au renforcement du dialogue entre les États, les religions, les cultures et les civilisations. Ce sujet figure à l'ordre du jour des consultations que le secrétaire général entretient avec les États et les organisations internationales et régionales partenaires. Et fait l'objet d'activités conjointes avec eux. Nous devrons renforcer cet effort. Je voudrais saisir aussi cette occasion pour féliciter les Émirats Arabes Unis d'avoir accueilli avec succès l'Expo 2020 de Dubaï, qui a contribué au renforcement de la compréhension et de la coopération entre les nations. Altesse, Excellence, Messieurs, Mesdames et Messieurs, dans le domaine du développement social et de la protection des valeurs de l'institution du mariage et de la famille, le secrétariat général s'apprête à convoquer d'autres réunions du groupe d'experts intergouvernementaux pour parachever la discussion du projet de convention de l'ECI sur le droit de l'enfant en islam, projet qui a été élaboré avec la Commission permanente indépendante des droits de l'homme. En ce qui concerne l'autonomisation des femmes et l'acuité de genre et l'équité de genre, je voudrais saluer les efforts déployés par la République arabe d'Égypte, pays du siège de l'Organisation pour le développement de la femme, en allouant un bâtiment indépendant pour abriter le siège de l'Organisation tout en dotant des équipements appropriés. Au plan de renforcement des capacités des jeunes, je tiens ici à rendre hommage au Royaume d'Arabie Saoudite pour avoir décidé d'accueillir la cinquième session de la conférence islamique des ministres de la jeunesse et des sports qui a été malheureusement reportée du fait des incidents de la pandémie du coronavirus. Le secrétariat général poursuit la coordination avec les autorités saoudiennes concernées à l'effet de fixer une nouvelle date pour cette conférence. En matière des médias, l'organisation a accéléré le rythme de ces investissements dans des nouveaux médias pour éclairer les États membres et l'opinion publique locale et mondiale avec ses prises de position vis-à-vis des causes vitales de la Oumma islamique et des communautés musulmanes dans les pays non membres, ainsi que pour faire connaître ses projets et ses efforts de soutien aux États membres, en particulier les moins avancés, en vue d'endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus COVID-19. Dans le domaine humanitaire, les efforts du secrétariat général se sont développés au cours des dernières années et ses relations avec la communauté humanitaire internationale se sont considérablement renforcées. À cet égard, j'aimerais remercier tous les États membres et les institutions de l'organisation qui ont contribué au soutien de l'action humanitaire de notre organisation, notamment le Fonds de solidarité islamique et les partenaires humanitaires au premier rang desquels je citerai le Centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire. Le secrétariat général a déployé d'énormes efforts pour aider les États membres les moins avancés à faire face à la pandémie du coronavirus, adopter plusieurs initiatives à cet égard, dont tout particulièrement l'ouverture d'un compte pour la réception de dons destinés à l'achat des vaccins approuvés par l'Organisation mondiale de la santé. Le Royaume d'Arabie saoudite a fait un généreux don de 20 millions de riyals saoudiens, en particulier à ce compte, en soutien à ce compte pour l'acquisition des vaccins, en coordination avec le Centre du roi Salman pour les secours et l'action humanitaire. Je saisis cette occasion pour lancer un appel aux États membres pour qu'ils contribuent à ce compte afin de financer l'achat des vaccins au profit des États membres les moins avancés au nom de l'organisation. Altesse, Excellence, Mesdames et Messieurs, deux années se sont déjà écoulées et nous ne sommes pas encore parvenus à sortir totalement de la crise provoquée par la pandémie de la COVID-19. En raison de cette pandémie et des mesures de confinement draconiennes, nos États membres ont subi des portes d'emploi
considérable, ainsi qu'une récession économique, une réduction des investissements et des exportations et une régression des activités touristiques. Partant de ce constat, la reprise post-corona occupe désormais une place prépondérante parmi nos préoccupations. À cet égard, notre organisation a accordé une attention particulière à la mise en œuvre de ces programmes et projets économiques dans des secteurs névralgiques tels que l'agriculture, le développement rural, la sécurité alimentaire, le travail et l'emploi, la protection sociale, ainsi qu'au renforcement des échanges commerciaux et à l'encouragement de l'investissement, afin d'assurer la réalisation des objectifs énoncés dans le programme d'action OCI 2025. Compte tenu de l'importance de la coopération dans les domaines économiques et commerciaux entre les États membres et dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution précédente de votre auguste conseil, d'organiser un forum sur les investissements en Afrique. J'ai accordé beaucoup d'attention à cette question. Je suis sur le point d'en finaliser les détails et je les annoncerai en temps voulu. Je me plais également de vous informer que la 8e session de la conférence ministérielle de l'OCI sur la sécurité alimentaire et le développement agricole qui s'est tenue à Istanbul, en République de Turquie, du 25 au 27 octobre 2021, a donné une nouvelle impulsion à la coopération dans le secteur. Les ministres ont approuvé trois programmes d'action de l'OCI pour le développement des produits agricoles et stratégiques tels que le riz, le blé, et le manioc. Dans le même ordre d'idées, la 11e session de la conférence islamique des ministres du tourisme et la 5e session de la conférence islamique des ministres du travail que nous espérons seront organisées cette année, respectivement en Azerbaïdjan et aux Émirats arabes unis, permettront aux États membres de notre organisation de faire le point sur la situation actuelle dans ce secteur et d'élaborer une stratégie commune permettant de relever les défis et d'atténuer les incidences négatives de la pandémie du coronavirus sur le secteur du tourisme et du travail. Excellence, Mesdames et Messieurs, l'OCI a intensifié ses efforts en faveur du renforcement de la coopération entre les États membres afin de faire progresser son agenda dans le domaine de la science, de la technologie, de l'enseignement supérieur, de la santé, de l'eau et de l'environnement en tant que piliers fondamentaux de la stratégie de l'OCI pour l'éradication de la pauvreté, de la maladie, de l'analphabétisme et de l'extrémisme. Je me réjouis donc de rappeler le deuxième sommet de l'OCI sur la science et la technologie, tenu virtuellement le 16 juin 2021, a fait le point sur les étapes franchies par les États membres en termes d'intégration des services des sciences, de la technologie, de l'innovation dans leurs politiques et stratégies nationales. Il ne fait donc aucun doute que la fourniture d'un enseignement de qualité est la première étape de la croissance économique et la réduction de la pauvreté et les disparités. Les quatre universités parrainées par l'OCI ont un rôle déterminant dans l'éducation de près de 25 000 étudiants et étudiantes des États membres. Qu'il me soit permis d'adresser mes remerciements et ma gratitude à tous les États membres et aux organisations qui apportent un soutien financier à ces universités. En consécration d'une plus grande solidarité et coopération entre les États membres dans le domaine de l'enseignement supérieur, le programme d'échange éducatif de l'OCI vise à fournir plus de bourses d'études aux étudiants et étudiantes dans les États membres de l'OCI, en particulier les pays les moins avancés entre eux. Dans le domaine de la santé, le secrétariat général, en collaboration avec les organes compétents de l'organisation, a adopté une approche traditionnellement pour aider ses États membres à relever les défis inédits causés par la pandémie de la COVID-19 face up to the advance effects of the COVID-19
with the help of the steering committee de la santé au niveau du ministère de la santé ainsi que des réunions d'urgence du comité exécutif de l'ECI au niveau des ministres des affaires étrangères. Deuxièmement, une aide financière d'urgence aux États membres par l'entremise du Fonds de solidarité islamique et du groupe de la Banque islamique de développement. Troisièmement, la lutte contre la désinformation et les informations fallacieuses. Dans le cadre de l'action juridique organique, les conventions traitées et statuts adoptés par le comité de la sommet islamique et les réunions du Conseil des ministres des Affaires étrangères représentent le cadre juridique qui permet à l'organisation d'exercer ses fonctions conformément au mode et au mécanisme entérinés par les États membres. À cet égard, je voudrais renouveler l'appel aux États membres qui n'ont pas encore achevé les procédures de ratification des conventions concluées dans le cadre de l'organisation, de les faire dans les meilleurs délais, afin que ces instruments puissent être mis en vigueur et que les institutions et organes qui sont ainsi puissent entrer en activité. Premièrement, au premier rang de ces documents, je citerai la charte de l'organisation, les statuts de l'organisation pour le développement de la femme et de l'organisation islamique pour la sécurité alimentaire qui sont déjà entrés en vigueur. De plus, il existe des institutions importantes dont les statuts ne sont pas encore entrés en vigueur, telles que la Cour islamique internationale de justice, le Centre de travail et le Centre de coopération et de coordination policière. Dans le cadre du programme de réforme du secrétariat général, une étude a été élaborée par l'Institut d'administration publique en collaboration avec le secrétariat général. Cette étude a abouti à l'élaboration d'un projet d'organigramme pour le secrétariat général. Dans les annexes de mon rapport à la présente session figurent les recommandations faites à cet égard. Le secrétariat général, en application des résolutions du Conseil des ministres des Affaires étrangères, a tenu une réunion du groupe d'experts intergouvernementaux pour élaborer de nouveaux règlements ainsi que pour réviser et mettre à jour certains statuts et règlements de procédure. Le secrétariat général a élaboré un projet de règlement régissant le travail du groupe de contact de l'organisation et un autre groupe de règlement régissant le travail des missions de l'OCI à l'étranger, le mode de travail du comité des représentants permanents, le statut du personnel et les règles d'attribution du prix de l'OCI. Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs, les demandes de l'obtention du statut d'observateur ou de statut consultatif auprès de l'OCI se multiplient de jour en jour. En témoigne le nombre important de ces demandes reçues par le secrétariat général de la part de certains pays non membres, d'organisations internationales et d'organisations humanitaires. Nous nous réjouissons de cet intérêt. En cette occasion, je forme l'espoir de bénéficier de votre aide pour trouver la formule appropriée pour l'octroi du statut d'observateur et du statut consultatif aux pays et organisations requérant dans le cas où le demandeur remplit les exigences et les critères annoncés dans les règlements régissant ces cadres conformément au mandat qui nous a été confié par la 14e Conférence islamique au sommet et le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Le programme de l'action OCI 2025, adopté par la 13e Conférence islamique au sommet, constitue le cadre optimal rassemblant les objectifs et les activités touchant les domaines vitaux pertinents à tous les États membres. Des efforts concertés doivent être déployés par tous pour une mise en œuvre efficace du dit programme. Un examen à mi-cours. À mi-parcours de la mise en œuvre du programme devrait être finalisé cette année. J'invite les États membres à bien vouloir fournir au CSRIC dans les meilleurs délais possibles les données et statistiques nécessaires pour pouvoir mener à bien cet exercice important qui permettra d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme d'action. Atteindre les objectifs les différents objectifs que je viens de citer et accroître la capacité de l'organisation à relever les défis actuels nous commandent d'aller
face à la voie d'une réforme globale de notre organisation et de ses différents organes et d'instituts avec le soutien et l'engagement des États. Nous comptons également sur votre soutien financier. Continue à l'organisation et à ses différents organes afin qu'ils puissent mettre en œuvre et assurer le suivi de tous les plans et programmes approuvés par vos altesses excellences. Nous sommes persuadés qu'en renforçant le rôle de l'organisation, nous considérerons l'action islamique commune et l'esprit de solidarité entre nos États membres. Le secrétariat général poursuit ses efforts auprès des autorités compétentes du Royaume d'Arabie Saoudite pour la mise en œuvre des procédures, des règlements des arriérés de certains États membres pour lesquels le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite a pris l'initiative de régler leurs arriérés dus pour l'OCI dans le cadre de son soutien et son assistance continue à l'organisation. Ces arriérés constituent l'obstacle empêchant l'organisation d'honorer convenablement ses charges. Les obligations urgentes seront couvertes grâce à ces paiements et il sera envisageable d'étudier les possibilités d'investissement du reste en coopération avec la Banque islamique de développement. Je tiens également à souligner que le secrétariat général, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Commission permanente des finances, œuvrera en concertation avec le président de la Commission permanent des finances et le président de l'organe du contrôle financier, enfin d'offrir à la réunion annuelle de la Commission permanente des finances le temps nécessaire et suffisant pour examiner tous les points de son ordre, du jour, d'autant qu'on œuvrera à préparer le budget de manière conforme à l'exercice budgétaire, prenant en considération l'ouverture de l'exercice budgétaire en janvier et sa clôture en décembre, conformément aux règlements financiers de l'OCI, aux règles de procédure de la Commission permanente des finances, CPR, ainsi que les règles de procédure de l'organe du contrôle financier OCF. Dans le contexte, le secrétariat général ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre les recommandations de l'organe de contrôle financier issu de ses 41e et 42e sessions en vue de renforcer la transparence de l'action financière. Je voudrais insister sur la recherche d'une représentation géographique plus équitable lors du pouvoir des postes vacants. De même, nous nous attelons à redoubler d'efforts pour recruter dans un plus grand nombre de pays non représentés ou sous-représentés afin de consacrer une répartition géographique équitable au sein du secrétariat général et des organes subsidiaires. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, la scène mondiale connaît de graves tensions ces derniers jours en raison de la crise ukrainienne dont les répercussions vont au-delà des pays de la région pour s'étendre au monde entier. Cette crise pourra potentiellement défavoriser la reprise économique encore fragile dans de nombreux pays, y compris les États membres de l'OCI. Comme vous le savez tous, ces conflits en cours risquent d'affecter de manière significatif les exportations de blé de ces deux pays qui représentent près de 29% de l'offre mondiale. À cet égard, je devrais inciter les États membres de l'OCI à passer de la parole aux actes par rapport à la stratégie des réserves alimentaires de l'OCI sur les stratégies de réserves alimentaires de l'OCI sur les produits stratégiques, à savoir le blé, le riz et le manioc, dans le but d'assurer ses réserves alimentaires au niveau national et régional et par conséquent un niveau d'autosuffisance alimentaire acceptable dans les pays membres de l'OCI. Ainsi, partant des principes objectifs annoncés dans la Charte des Nations Unies et de l'OCI, dont tout particulièrement la contribution aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité internationale, le secrétariat général a exhorté les parties concernées à œuvrer en faveur d'une solution pacifique de la crise ukrainienne et à poursuivre les négociations pour la recherche d'une solution politique qui garantira une paix et une stabilité durable et qui préservera la sécurité des populations. Devant votre église,
Auguste Conseil ne sont qu'un résumé des efforts déployés par le secrétariat général de l'OSCE dans l'exécution de la mission qui lui est assignée, mais une documentation complète comprenant mon rapport sur les activités de l'organisation est soumise à votre attention. Vous conviendrez avec moi que les défis sont nombreux et multiformes, dont je demeure convaincu qu'ensemble, unis et solidaires, nous pourrons contribuer à les relever. Pour lesquels nous nous sommes fixés au service de la Ummah islamique et pour la réalisation de Mr. Excellencies, ladies and gentlemen.